Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock. Les amis, aujourd'hui on a du lourd, on va parler KVK, on va parler guerre totale, on va parler matchmaking aussi déséquilibré. Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas bien évidemment à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et n'hésitez pas également à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne, c'est super simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos, vous connaissez ça par cœur. Et vous l'avez à droite sur l'overlay également, les amis, vous y retrouverez tous les screens de cette vidéo, et bien plus encore, comme d'habitude. Les amis, avant de partir sur la guerre, sur du lourd, regardons les events qui ont pop. Comme prévu, on a le Royaume Doré qui a pop, vous le savez, le Royaume Doré c'est de la balle, c'est simple. On a la roue de la chance, c'est le dernier jour. N'oubliez pas, c'est aujourd'hui qu'il faut aller chercher les 10 tours et une tête pour gratuit, ça fait plaisir. On fait le petit tour à 50%, on va voir ce que ça va nous apporter. Oh, j'aurais bien dit une tête, ça aurait été de la balle aussi. C'est des accélérateurs de training, c'est toujours utile. Et on va chercher les 5 tours, on va voir du bois, ça sert à rien. Une tête générique, c'est toujours ça de prix. Ça fait longtemps que j'ai pas vu 8 sculptures. Hein. 8 têtes, des étoiles, c'est normal, c'est mon fonds de commerce. Il y a une sculpture. Bon, un tirage un peu naze pour 5 tours comme d'habitude. Et je récupère les 5 têtes de Ramsès et c'est plié. Bon, le royaume doré à aller chercher. N'oubliez pas, vous avez que 3 jours. Je vous ferai sûrement un tuto là-dessus. On va voir selon ce qui va se passer dans les jours qui viennent. En parlant de ce qui se passe, les amis, comme convenu, notre KVK, mon KVK à pop. Vous le voyez, le 1256, mon royaume est en tête, mais de justesse en tête. Et quels sont les royaumes qui sont avec nous? Justement, on va aller voir c'est les autres royaumes pour pouvoir voir comment Lilith a fait ce KVK et ce matchmaking avec seulement une 60aine de royaumes inscrits. Donc déjà, vous le voyez, on est en lutte des 8. En lutte des 8, on peut avoir beaucoup plus de royaumes que prévu, puisque que 8 du moins, puisqu'on est 21 royaumes. Je n'ai jamais fait un KVK avec autant de royaumes. Et regardez, le 8e actuellement, par exemple, à 273 000 points. 273 000 points, c'est même pas le score du premier, hein, puisque le premier, il a 700 000 points. Pour vous dire, le premier, il a autant que le 17e royaume, 17, 18, 19, 20, 21. Il y a 5 royaumes qui ont autant de points ou moins que juste le premier en classement individuel. Donc déjà, c'est pas bon signe hein, pour eux. On voit le 18-93 est très bien classé. Il a la 2e place, pardon. Il a les deux premières places. Nous, le 12-56 en classement individuel, on est plutôt loin, même si en moyenne, donc on est largement devant. Vous voyez, pour le moment, le premier, c'est Leyu et il est que 23e, suivi de Dovahkiin qui est 24e. Bon, après, on enchaîne les places, mais en tout cas, on est bien loin sur ce classement individuel, même si on est premier. Regardons les royaumes qui sont avec nous et vous allez voir que franchement, quand c'est comme ça, Lilith devrait tout simplement annuler ou aborder ou forcer l'inscription pour le KVK. Regardez la répartition des royaumes. Ce petit screen qui est très très bien fait. Normalement, nous serons en haut à gauche. Pourquoi en haut à gauche? Le royaume le plus puissant est toujours en haut à gauche. Nous sommes un royaume A. Et ce qui est écrit entre parenthèses, hein, qui est en japonais peut-être, ou en coréen, en chinois, je ne sais pas, c'est que nous sommes un royaume impérium. Donc on est un A+, donc, parce que vous pouvez être A sans être impérium, ce qui est le cas d'un des royaumes qui se trouve sur notre KVK. En face de nous, on aura un royaume C, le 1064, le 1885 qui est un D, et le 1082 qui est un D. Au sud, donc on aura deux zones de combat, on est en lutte des 8, hein. Lutte des 8, il y a deux zones de combat, donc on va pouvoir envoyer une partie à gauche, une partie à droite, donc au nord et au sud sinon. Au sud, on aura un C, un D et un D également. Autant vous dire que ces royaumes-là, ça va être très difficile pour eux à notre contact. Au sud, ils auront un combat équilibré, le violet sera contre le cyan en C, D, D, équivalent au cyan. En face, le cyan aura le jaune en triple C. Ça va être plutôt dur hein, pour lui d'avoir un triple C face à lui. Il va falloir qu'il arrive à le gérer. Le vert, lui, est le challenger. Je vais finir avec lui. Le orange en haut à droite, un 2B. Donc, c'est les qui sont très puissants. B, c'est plutôt pas enfin, très puissant. B, c'est plutôt pas mal par rapport au reste. Et le bleu au milieu à droite, c'est CD équivalent. Donc, en gros, on peut dire que le orange, le violet, le cyan, le jaune et le bleu sont équivalents.
On a le violet foncé, peut-être les double B en haut à droite qui sont plus forts et qui sont à peu près d'un niveau équivalent. Du vert, donc le vert en bas à droite, on finit par eux, avec un royaume A, le 1869, et deux royaumes D. Vous allez aller voir, donc le deuxième plus puissant, notre challenger, est le royaume A, le 1869. On va aller le voir, comme ça vous allez pouvoir comparer par rapport à nous et comprendre pourquoi le matchmaking s'est abusé. Donc le 1869. On dézoome, on va tout de suite aller sur le 1869. 1869, et vous allez voir, donc c'est le royaume d'Usk. Évidemment, il n'est pas Imperium. L'alliance principale est les 69 A, point d'exclamation. Donc c'est un royaume japonais, si je ne dis pas de bêtises. Enfin, pardon, un royaume japonais. L'alliance principale est japonaise. Et regardons donc qui se trouve au centre, hein, au milieu. Alors, c'est pas là le centre. Où est le centre? Voilà, je galère un petit peu. Le centre est ici. Voilà, le centre est ici. Les 69 JC, par exemple, sont une alliance à 6 milliards et demi. Qu'est-ce qu'on a d'autre, hein, comme alliance qui va toucher le centre? On est bien au centre, hein, je vérifie que je ne me trompe pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme alliance qui va toucher le centre? Les 69A, point d'exclamation, qui ont le lead du roi, qui sont à 8 milliards. Donc 8 milliards, 6 milliards et demi. On va prendre les 69 TE, qui est la troisième alliance qui est au centre, qui eux sont à 7 milliards 7. Donc voilà, on a les trois alliances principales. On va prendre les XU, mais à mon avis c'est une farm, qui sont à 8, 7,5 et 6 milliards et demi et 5 milliards. Voilà, 5 milliards 5. Le classement des trois premières alliances, des quatre premières alliances, c'est ça. On regarde de l'autre côté s'ils ont une autre bonne alliance. Non, c'est 1 milliard. Donc voilà, c'est un royaume A, pas A plus, hein. C'est un royaume A. Et donc c'est 8, 7,5, 6,5 et 5,5, les quatre premières. Si on compare par rapport à mon royaume, la puissance des alliances, regardez, première 13,5, deuxième 13,2, troisième 17, quatrième 8,1. C'est-à-dire que notre quatrième alliance est aussi puissante que leur première alliance. Et forcément, hein, les autres, ça dégringole si on comparait. Après, nous, on est plus bas. Mais c'est quand même très tendu pour eux. Donc, autant vous dire que ce KVK va être très compliqué pour les autres royaumes. Même si on se retrouvait à 1 contre 7, on va voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, ça va quand même être très très compliqué pour eux. Je ne manquerai pas de vous montrer tout ce qui va se passer et surtout de vous dire s'il y a des alliances qui vont être faites. Je ne sais pas à ce stade ce qui se dit sur mon royaume, mais en tout cas, sur le papier, on n'a pas besoin de faire d'alliance. En parlant d'alliance et de KVK, on va passer à la dinguerie du moment, le KVK de ouf du moment qui est en cours avec l'ouverture des portes de niveau 4. On y va tout de suite, je vous en ai parlé hier déjà. C'est le KVK du 1916, bien évidemment. Il faut que je me mette dans la liste des royaumes perdus. Et on cherche, voilà, le C1 1063. On ne peut toujours pas y aller, éclair, parce qu'il y a la brume, hein, donc on ne peut rien faire dessus. Mais on a toujours des combats de ouf qui ont lieu entre le 1916, le 1846 et le 1415. Je vais vous montrer quelques screens et vous donner mon analyse de ces screens et vous donner la situation actuelle. C'est le plus gros KVK en cours, bien évidemment. Les portes ont eu lieu, l'ouverture des portes ont eu lieu. Et regardez cette première zone tampon qui nous montre hein, il est super intéressant ce screen. Il nous montre le placement des forteresses de chaque alliance du 1916 et du 1846. Et quand j'ai vu ça, c'était au tout début de l'ouverture des portes, hein, enfin tout début, il y a quand même quelques dizaines de minutes puisqu'ils ont posé leur terrain et leur forteresse. Et là, on voit qu'autour du sanctuaire et sur la pose des forteresses, le 1916 a été plus performant, moins performant, pardon, de mon point de vue, que le 1846. Regardez, le 1846 a bien aligné ses forteresses, a fait un beau mur. Et si on regarde les trois forteresses les plus proches du sanctuaire, et même les deux, ça serait les Wib, les Beya et les Sin, si je prends les trois. En tout cas, les deux plus grosses alliances du 1846 sont relativement proches du sanctuaire. De l'autre côté, regardez. Le K916 est un peu plus loin et les T2A sont vraiment loin du sanctuaire et ils se sont mis au nord. Pour moi, ce sont des mauvais placements qui ont été faits. La reward est sur les sanctuaires et la bataille se passe au niveau des sanctuaires. Donc déjà,
Là, ça va aller être tendu pour eux sur le placement. On a déjà eu nos adversaires au précédent KVK, nous, qui ont fait, Heroic Anthem, qui ont fait cette erreur-là. Et du coup, c'était le 1239 de la Swagger. Du coup, on les a tabassés sur cette zone-là. C'est vraiment super important le placement des forteresses pour tenir sur cette zone. Et évidemment, du coup, suite à cela, suite à cette mauvaise pause, au fait que les plus forts étaient les plus près, même si là c'était équitable, à l'heure où je recorde cette vidéo, le 1916 est en train de se faire repousser par le 1846 qui avance vraiment très très vite. On va passer aux autres screens. Regardez cette zone de combat. Donc là, on est sur la jointure entre les T2A d'un côté et le 1846. Donc la zone de combat la plus dure, ça a duré toute la nuit, ça dure encore au moment du record. On a vraiment des bastons de ouf. Le serveur lag pas trop hein, de ce que j'en ai vu, ça va, il n'y a pas de souci, ça a été bien optimisé par l'élite, ça fait plaisir maintenant qu'on ait des grosses bastons qui lag pas trop. Ça nous change des débuts, hein, notamment des ruines lorsqu'ils ont mis à jour ce nouveau système de ruines. Maintenant, ça ne rame plus, ça rame moins, ou du moins, ça crache beaucoup moins, sauf si ça vient du device. Au niveau des quelques rapports que je vous ai récupérés, regardez, faut bien faire attention aux rapports parce qu'on peut leur faire dire tout et n'importe quoi. C'est pour ça que je vais vous en montrer des rapports qui sont plutôt équitables par rapport à la situation actuelle. Le premier rapport, qui est un rapport des T2A du 1916, donc face aux 62 DJ, donc bien évidemment, ce n'est pas l'alliance majeure ni le royaume majeur face aux T2A. C'est pour ça que le rapport est très nettement en faveur des T2A sur le papier, hein, puisque moins 9,2 millions de morts pour les T2A, enfin de puissance en moins, pardon, moins 17,8 millions pour les 62 DJ, avec un nombre de morts qui est pratiquement équivalent à 300 000 près. On a le même nombre de morts des deux côtés. Évidemment, la différence de puissance s'explique que bah, chez les 62 DJ, ça doit être des T5. Chez les T2A, ça doit être des T4, très probablement. Hein. C'est pour ça qu'on a cet écart de puissance perdu du simple au double, alors qu'en termes de morts, ce n'est pas du tout ça. Je vous ai dit, donc, faut se méfier des rapports, parce qu'en regardant ce rapport, juste un seul rapport, on va se dire, eh ben, les T2A roulent sur la zone et sur les 1846, sachant que là, c'est les 62 DJ. Mais regardons d'autres rapports significatifs. On a ce rapport qui est d'une qualité nettement supérieure de Mokot. Mokot qui a attaqué un drapeau, une structure des T2AR, qui n'est pas l'alliance principale, elle non plus, du 1916. Et regardez, là, on a encore une fois des nombres de morts qui sont assez proches, moins 568 millions 68 000, pardon, du côté de Mokot, 780 000 du côté des T2AR, et pourtant en puissance, moins 4,3 seulement de perdus du côté de Mokot, et le double du côté de nos amis des T2AR, moins 8,1 millions. Et regardez bien l'attaque et la défense, on est vraiment dans le schéma actuel classique. On n'attaque plus avec Attila Takeda, on attaque avec Xiang Yu, le roi du chocolat, et Chandra. Donc Xiang, Chandra, qui doit avoir du stuff maximum. Hein. Mokot, on le connaît, le roi de la CB. Donc stuff maximum face à Zenobia YSS, une défense pourtant en béton armé. Qu'aurait-il fallu mettre en face d'un Xian Yu? Alors là, pour le coup, il aurait fallu, à mon avis, sortir un Edwige et placer pour le une Edwige en défense principale, en main leader de défense. Là, ça aurait fait la différence et là, Xian Yu sera fait sûrement péter un peu plus la bouche, même si ça reste quand même une belle défense. Mais le drapeau a été perdu. On regarde donc un troisième rapport pour donner le ton de ce KVK. Regardez bien ce rapport, on se retrouve avec Kika, notre ami Kika, qui a fait une attaque lui aussi. Regardez encore une fois, hein, on a une attaque en Xian Yu face et Chandra face à Zenobia et Théodora. Cette fois, c'est plus YSS. Alors pour moi, en défense de structure, Zenobia Théodora est moins performante que Zenobia YSS. Zenobia YSS, c'est le meilleur pour la défense de structure.
En règle générale, ce n'est pas la meilleure dans tous les cas, puisque là, on le voit bien, elle perd face à un Xanyu. Moins 13,3 millions du côté de Kika, moins 20 millions du côté de... On est presque au double encore une fois, du côté des défendeurs du DK 86. Ils se sont bien fait défoncer, mais ils se défendent bien quand même. Ça a bien renforcé, on le voit au nombre de blessés légers. 11 millions 4 de blessés légers du côté de Kika du 1846. 17 millions 6 hein, du côté du DK 86. Donc vraiment des grosses défenses, ça a bien renforcé et ça a tenu. Puisque regardez, en restant des deux côtés, il y en a. Donc ils ont abandonné le rallye puisque ça tenait bien et ils commençaient à prendre beaucoup de morts. Donc ça ne sert à rien d'insister dans ce cas-là. Mais encore une fois, hein, Xianyu Chandra fait le taf et tant que les joueurs vont s'obstiner à laisser du Zenobia YSS, Zenobia Theodora ou assimilé en défense face à Xianyu, ça ne tiendra pas. C'est pour ça qu'il faut prévoir du backup et être capable de switcher la défense du bâtiment, sachant que là, quand on a un Xianyu Chandra, si on peut tenter de le swarm, hein, on va prendre un petit peu cher, mais ça va, ça passe, c'est swarmable, mais si on ne maîtrise pas l'open field, eh bien, on n'a aucune chance. Donc, le vrai secret, en fait, c'est d'avoir une défense solide avec du Zenobia ou avec du Edwige hein, et surtout avoir l'open field pour pouvoir contre-attaquer le rallye ou tout simplement swarmer le rallye. Quand on a pas mal de baleines, on peut se permettre de swarmer le rallye. C'est ce qu'il faut faire et c'est ce qui sera le plus efficace de mon point de vue. En tout cas, un gros KVK comme je vous le montre. Je ne vous montre pas de rapport pour le moment du 1415. On repasse sur la zone. Regardez, hein, 8 jours, on est qu'à 8 jours, 6 heures, 7 minutes et 37 secondes très précisément. Donc, il reste encore 40 jours de KVK. Les choses ont le temps d'évoluer. Mais ce que je vous ai montré principalement, je vous montre avec le curseur, c'est sur la zone feu-terre qui est ici. Alors que si on va sur la deuxième zone, hein, la zone du 1415, la zone vent-terre, elle, les choses sont un petit peu différentes hein, sur la zone vent-terre en fait, puisque sur cette zone-là, le 1415 mène la vie dure au 1846. Je vous montrerai tout ça plus tard, bien évidemment, quand ça aura bien évolué. Mais pour le moment, le 1415, lui, tient bien et fait le job comme il a promis de le faire. On va bien voir donc comment ça évolue, car n'oubliez pas hein, que le 1846 est en train de lui de combattre massivement le 1907. Donc, il a moins de force de ce côté-là. C'est quand même un énormissime royaume, le 1846, hein, affronter deux impériums sur deux côtés. Franchement, gros, gros taf de fait du côté du 1846. On va voir si au final, hein, puisque certains leur promettaient au 1846 qu'ils n'atteindront jamais les terres du roi, au regard du début de ce KVK, c'est pas si sûr. Hein. Gros, gros taf. Le gagnant de ce KVK, en tout cas, va sortir avec une aura d'énormissime royaume. Et je pense et j'espère même que leur KVK d'après, ils tomberont sur des... Je ne parle pas du 1846, je parle du gagnant bien évidemment. Tombera sur des très gros KVK encore une fois pour nous mettre un max d'action. Par exemple un 1254, un 1365 ou un 1556, un 1412, un 1401. Il y en a tellement des royaumes énormissimes comme ceux-là. En tout cas, très intéressant à suivre. On n'aura pas la brume qui sera partie avant encore 2 semaines. D'ici là, je vous montrerai un maximum de records et un maximum de screens, les amis, pour vous montrer tout ce qui se passe sur ce KVK, comme sur le mien, même si sur le mien, ça s'annonce bien pour nous, moins bien pour nos adversaires, mais on n'est pas à l'abri de se faire rouler dessus. On ne sait jamais, on peut avoir des très grosses surprises. J'ai déjà vu des royaumes B énormissimes, ou même le royaume A qui est non classé, car tous les royaumes qui sont contre nous en KVK, dans ce fameux KVK, tous ces royaumes-là sont non classés au ranking de royaumes, même le A, ce qui veut dire qu'ils n'ont pas de joueurs qui ont déjà activé un robot pour classer leur royaume. Voilà, écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, les amis, comme d'habitude, les amis, je vous invite à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez, les amis, ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout, ça me fait vraiment très, très plaisir, les amis. Si ce n'est pas encore fait, les amis, qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous. Faites bien attention à vous, les amis. Et je vous dis à plus sur Rock. Make they hit.
drop.